fatigué, on peut pas faire une pause. Allez. Viens ouais. Parce que c'est toi. Hein. Mais tant que j'y pense, qui c'est qui voudrait faire du mal? Et de plus, comment savent-ils que nous sommes en Maladria? C'est vrai, j'ai à peine d'arriver. Car ce n'est pas vous qui valent, mais bel et bien l'épée. Car oui, celle-ci, c'est la clé pour entrer et sortir d'un monde à l'autre. Mais pourquoi voudrait-il l'épée s'il n'arrive pas à passer d'un monde à l'autre? Enfin, ça sert à rien. Vous pouvez nous expliquer comment vous savez qu'on est en Maladria? C'est vrai, c'est votre clone qui nous a accompagnés. Tout simplement parce qu'un ami à moi, Nost, m'a demandé de vous protéger. Il m'a donné des coordonnées où vous retrouver. Malheureusement, sur le chemin, je me suis fait attaquer. Et face à 12 personnes, je n'ai pas pu rivaliser. Cela m'a coûté une semaine de prison dans un château. Dans le château de Meltios, pour être précis. Il m'a cloné. Mes habits. Mes armes. Et même mon physique. Malheureusement, il n'avait pas mon intelligence. Ou plutôt, heureusement. Car quand on voit comment il s'est fait tuer, c'était plutôt une aubaine. Et ça a bien fait rire tout le monde. N'est-ce pas? Maintenant, expliquez-nous comment cette épée est arrivée sur la Terre. Tout simplement car Meltios a fait le voyage vers la Terre. Il est arrivé dans votre monde en 1996, me semble-t-il. Ce qui équivaut aussi à 954 à tout casser. Il est tombé sur une troupe de brigands qui lui ont dérobé l'épée. Encore une chance. Sinon, il aurait détruit votre monde. Mais quand vous savez tout ça? Simplement parce que j'étais là aussi. À l'époque, il y avait plusieurs clés pour faire le voyage. Mais le Haut Conseil décidèrent que c'était trop dangereux et ils les brisèrent tous. Meltios ne voyait pas ça de la même manière et il décida alors de garder l'épée et de conquérir les mondes, Maladria comme la Terre. Mais comment furent créées les clés? On s'en fout de ça, Matt. Vous dites qu'on peut faire un voyage inverse? Comment? Je ne sais pas. Il y a plusieurs façons, en fait. 1. Vous êtes né avec ce don et vous pouvez voyager librement comme bon vous semble à l'aide d'une épée, ou tout autre objet qui serve d'épée. 2. Vous apprenez. Ça peut être long, ça peut être rapide. Parfois c'est très dur. 3. Comme moi. Vous n'y arriverez pas. Donc en clair, soit on l'apprend, soit on l'a, ou on s'est mort quoi. Parfaitement. Bon bah moi je vois qu'une chose, hein. Si on veut quitter ce monde, on va devoir y aller. Moi je suis prêt à y aller, c'est vous qui voyez. J'allais te dire même, on fonce dans le tas et on apprend comment faire. Et on peut vous tutoyer? J'allais justement te le conseiller. Ok, bon bah... On y va? On y va.